Bon, finalement, hier, quand on est arrivé, il était quelle heure? Il était minuit. On aurait dû arriver, si je me souviens, on aurait dû arriver à 7 heures du match, je crois, à l'origine. Voilà. Donc là, tu vois le mur, c'est des bouses de vache. Il est fait avec des bouses de vache. Il comble les trous avec des bouses de vache en fait, qui font sécher. On voit la forme des doigts même, comme ça, quand ils ont pétri. Ça, c'est curieux. Là, il y a nos amis les vaches. Et au fond, je ne sais pas si on le voit bien, il y a un petit temple qui m'a attiré de loin. Je vais aller voir. Derrière lui, il y a le Gange.
Un arbre qui sert quasiment de temple quoi. Tous les samedis, les mecs ils viennent et ils apportent des candles, des bougies et puis ils font des libations. Il est marrant là. On va se faire un petit panoramique de Varanasi, donc la Ganga, et puis là la ville. Vol au-dessus de... Vol de pigeon au-dessus de Varanasi. Oh, c'est le monsieur qui leur a fait peur. Avec son drapeau de pirate, pan, il leur jette une pierre. Ah, il les aime pas apparemment. Hein. Il a pas envie qu'ils lui prennent la tête. C'est bizarre, ça se trouve au lieu. Ça se trouve il les entraîne, on a l'impression. Voilà. Voilà, le tour est complet. Le singe méditatif avec son pote qui vient d'arriver. Salut mec, ça va? Ah bon, ok, très bien. Ah bah il y a aussi un. Salut les mecs. Eh oui, j'arrive, c'est moi. Eh oui. Lui c'est le méditatif one.
Non, 5 euros. Ah, donc, ça va. I love that, huh? कहा है जो जमीनिया बनवाने के लिए बहुत कम कर रहा है क्या Là c'est un petit parc sympa, donc j'ai pris refuge, c'est bien, enfin pris refuge. C'est marrant, j'avais cette idée toute faite de formule, mais c'est pas question de refuge, c'est que là c'est sympa. Alors là il y a un bassin avec plein de plantes, il y a quelques gamins qui me suivent, parce que la caméra les intrigue. Là il y a des
fleur violette. Pas sûr. One photo, please. Une certaine classe de vache. Un certain maintien. Attention, là c'est pour une surprise. Attention, attention. Hop, hop, hop. Regardez, il est là. Bon, faut le reconnaître, mais hein, y a de ça quand même. Il est. Je suis en rickshaw là. Non, non, respect. Ouais. Je suis en rickshaw. Ouais. Je vais donner
20 roupies comme ça, ensuite il m'amène où il veut, on se promène. Et puis quand les 20 roupies, il estime que c'est son prix, bah, il me dépose. Donc là je me balade, je suis dans le... Je crois que c'est la vieille ville, là. C'est peut-être la nouvelle ville maintenant, parce que ça m'a l'air, là il y a des bâtiments bien neufs. Toujours à Varanasi. On est le 2... Ouais, c'est... ouais on est 2 novembre maintenant, ouais. Alors là c'est assez fréquent, il y a des arbres qui sont pris dans les bâtiments et qui font des petits temples. C'est assez marrant. C'est bien vu je trouve. Ça c'est une espèce de petite architecture en tout petit bois. Je sais pas si on le devine vraiment parce que je suis face au soleil. Mais c'est normal qu'après le moindre tremblement de terre ou autre, ça risque de s'effondrer quoi. Voilà. Bizarre. Ouais, c'est du bambou en fait. Ouais, petite construction en bambou. J'aime bien celui-là, je sais pas. J'aime bien. Tiens, tiens. Je dis tiens, tiens. Car l'église, c'est celle. Nous allons voir de qui c'est. Saint Thomas. Saint Thomas. Intéressant, non, à Varanasi. Une grosse église, quand même. Église de Saint Thomas. Un mélange, non, un trigon plutôt. J'y vais. Alors ça c'est marrant parce que j'ai été attiré par l'arbre que nous allons voir dans quelques instants, mais cette chienne qu'on vient de voir m'a regardé avec insistance. Pourquoi ? Eh bien parce que cet arbre, avec ces deux petits, je sais pas, ces deux petits temples là, mini-temples, hop, qui encadrent l'arbre,
eh bien, en fait, abrite des petits chiots. Toute une portée. Ils sont bien là. Ils sont carrément bien. La mère, elle est revenue, méfiante. Ting, l'air de rien, je jette un coup d'œil s'il n'est pas en train de faire un sale coup à mes gamins. Hop. Bouton noir de paillet. In France, yeah. In France, right? Yeah. In this was there also? Yeah. Yeah. Maria.
No, thank you. Thank you.
grand, grand chose. Ça. Ça, c'est un temple népalais dans une petite rue juste à côté de mon guest house. Mais il est réservé aux gens de religion hindoue. Ouais, ça va pas rendre grand chose en fait à voir. D'en haut, il est mieux. Ouais, là, ça donne pas grand chose. Hi. Who's from, sir? From France. Ça va? Yeah. Comme on peut l'entendre. Rhume de Varanasi. Le rhume de Varanasi, fort sympathique. Thank you.
J'essaie de montrer ce qui est vraiment l'Inde, tu vois. J'essaie un peu de sortir de des photos contenues, des monuments qui vont bien, tu vois. J'essaie de montrer vraiment ce que c'est, quoi. Ah!
On voit pas les couleurs là. Ah, okay.